citoyen Carrel. Je les ramène au bureau pour les collègues. Mais quand j'arrive dans la salle, tout le monde a des bouchons. Je crie alors. Reste toi cul. Les voisins appellent le 9-1. Mais personne ne comprend que je viens de sucer, viens de sucer. Je parle fort, mais je ne suis pas déçu. Sucer, viens de sucer. Tout le monde sait qu'on doit dire ben au chocolat. J'ai rencontré ma blonde dans un bar. Elle a fini sa soirée pleine d'acouphènes. Elle a découvert mon amour de la patrouille et m'a dit: mais pourquoi pas chocolatine? Si j'étais président, mon slogan ça serait la chocolatine. Elle me voit un peu comme un terroriste, mais elle ne comprend pas que je viens de sucer, sucer. Je parle fort, mais je ne suis pas ridicule. Sucer, sucer. Tout le monde sait qu'on doit dire sucer, sucer. Je parle fort, mais je ne suis pas ridicule. Sucer, sucer. Tout le monde sait qu'on doit dire. Au chocolat, au même titre que le voisin est introduit, fait partie de notre patrimoine culturel. Nous le devons, d'après l'historien culinaire, Jim Chevalier à l'autrichien Auguste Sang. C'est l'idéal si vous souhaitez préparer un brunch au saut du lit sans avoir à passer par la case manger. Enroulé sur une ou deux barres de chocolat. Parmi elles, le kiffel, qui serait l'ancêtre du croissant, et le chocolat d'un croissant. Aussi, des carrés de chocolat sur le bord des langues qui vous la pâte même placée sur une plaque recouverte de pâtisserie sucrée et enfournée pendant 40 minutes à 182. Thank you.